ce pauvre cheval, papa. Laisse, mon fils. Ne nous regarde pas. Crucifiez-le. Et après, j'irai au-devant vous, et alors là, et là, on comprendra, monsieur. Et on pardonnera. On pardonnera. Ta sœur qui te met dans ce genre d'état? Mais arrête avec ta sœur. Pourquoi t'es tout rouge, là? Mais je suis pas rouge. Dis-le-moi franchement, elle te plaît, ma sœur? Hein? Police, porter plainte contre toi. Ah, la police, qu'est-ce qu'elle veut? Eh ben, tu payes pas, tu t'en vas pas, on sait bien ce qu'elle veut. Et les enfants? Les enfants? Ils ont faim. C'est un délice, monsieur, c'est pas une souffrance, c'est un délice. Ils ont faim. Je reste debout, je n'ai pas contre vous. Hein. Simplement, j'ai tellement l'habitude de rester assis toute la journée que dès que j'ai 5 minutes, je marche. Les hémorroïdes, vous comprenez? Mon médecin m'a dit qu'il fallait que je fasse des exercices, alors je fais des exercices. Non, non, ma fille n'est pas morte avec la vieille, non. Non, pour elle, c'est le royaume des cieux, mais pour moi, c'est celui de la raison et de la lumière. Mon cher cousin, permets-moi de te présenter mon ami Roger Romanovitch. Je crois qu'il a une affaire à traiter avec toi. Une minute! Une minute! J'arrive! Ouvre pas la porte, j'arrive! Une minute! J'arrive! J'ai comme l'impression que vous ne vous attendiez pas à ça. Ah, mais vous non plus. Vous tremblez, hein? Mais vous aussi, vous tremblez, Pavel Petrovitch. Eh oui, je tremble. Ulia Balena Vasniek, Milo, Kaganin Kolina.